de l'ignorance où nous sommes de la vie qui nous entoure. Ce matin, je découvre au pied du chèvrefeuille un amas de mousse, d'herbes, de feuilles, juste en dessous du nid abandonné il y a peu par les merles. Je me dis que décidément ils ont fait beaucoup d'efforts pour rien. Je saisis une poignée de végétaux, sens un léger picotement au doigt. Je replonge la main, le picotement s'accentue. Et j'entends que ça remue en dessous. Je replace les deux poignées déplacées. Un hérisson qui a niché là. 28 avril, 22.